Bonsoir. Je vous souhaite très nombreux pour suivre le deuxième volet des 20 ans de l'Université de Kara. En effet, la semaine dernière, vous avez suivi avec nous l'entretien exclusif avec le président de l'Université de Kara, le professeur Thiarien. Nous avons fait le tour d'horizon des avancées et des défis. Au cours de notre séjour dans la Kara, nous nous sommes intéressés aux axes gouvernance, aux axes qualité et partenariat de l'Université de Kara. Et nous avons pour cela approché les collaborateurs directs du président de l'Université de Kara et c'est eux que vous allez suivre au cours de cette émission. Et donc au cours de cette émission, nous allons parler de l'école doctorale. Nous parlerons également de la place de la femme dans la gouvernance, dans la qualité de la formation au niveau de l'Université de Kara. Nous parlerons également du projet innovant de campus citoyen, la mission du Centre national des œuvres universitaires, c'est nous. Et on terminera par le partenariat, sachant que l'émission Débat éducation est structurée en trois volets. Il y a le débat thématique où nous parlons de tout ce dont je viens de parler tout à l'heure. Ensuite, il y a l'actualité sur l'éducation et l'agenda éducation. Fidèles téléspectateurs, on se retrouve dans un instant pour les détails. Pour devenir docteur, dans une université, il faut passer par une école doctorale. L'Université de Kara en dispose et chaque année, cette université sort un certain nombre de docteurs. Nous avons approché le coordinateur de cette école doctorale. Il va, dans un premier temps, nous dire l'enjeu ou l'intérêt pour l'université de disposer d'une école doctorale. L'école doctorale, c'est avant tout une école. Une école comme l'entend le commun des mortels, une école qui forme dans le renforcement de la capacité, mais ici, les capacités en matière de recherche, les capacités à avoir un programme de recherche, à le mener dans les règles de l'art, à aboutir à des résultats censés inspirer les politiques de développement. De ce point de vue, l'école doctorale va s'appuyer principalement sur deux aspects, du moins la formation à la recherche, la logique interne qui suppose le respect de la logique de recherche, le respect de l'éthique de la recherche fondamentalement, et ensuite une logique externe, une validité externe qui suppose que les résultats sont en lien, en cohérence avec les fondamentaux, avec la réalité du terrain. De façon classique, le profil d'entrée, c'est le master. C'est le master et vous devez avoir au moins 12 de moyenne. Ça, c'est le minimum. Pour le domaine, ça varie. À l'école doctorale, nous avons à l'intérieur 4 formations doctorales. Vous avez la formation doctorale en sciences, technologies et ingénierie. Vous avez la formation doctorale en sciences de l'homme, de la société, lettres, langues et arts. Vous avez la formation doctorale en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. Et vous avez la formation doctorale en sciences de la santé. Combien de docteurs cette école doctorale a pu sortir depuis que cette université a institué cette école doctorale ? Nous revenons avec le coordinateur de l'école. Depuis la création de l'école doctorale, nous sommes à ce jour, ce sont 8 docteurs formés, dont 5 femmes. Et pour la formation doctorale en sciences de l'homme, de la société, lettres, langues et arts, comprenez la flèche, ça représente 56% de ce sont 8 docteurs sont de la flèche. 15% sont de la FAST, c'est-à-dire sciences, technologies et ingénierie, qui regroupe la FAST et l'ISMA. Et vous avez 8% qui sont de la FASEG et le reste de la FDSP. Tous ces docteurs entrent sur le marché du travail et certains trouvent plus facilement le travail que d'autres. Voilà. Nous avons quand même une plateforme de suivi
où à cette date, nous avons environ 20% de ceux qui ont quand même, qui sont sortis ont réussi à quand même s'insérer. Mais relevons que bon nombre de ces doctorants font déjà quelque chose. Quand nous disons 20%, c'est ceux qui ont changé de profil de carrière grâce à leur diplôme de doctorat. Mais la plupart d'entre eux, vous avez des professionnels qui se sont inscrits pour être docteurs. Nous savons que toute institution est confrontée à des défis. Et donc, nous revenons encore avec le coordinateur pour nous dire les défis auxquels est confrontée l'école doctorale de l'Université de Kara. Nous venons juste de clôturer les 20 ans d'existence de l'université et c'est normal que nous avons jeté un regard sur le chemin parcouru et nous nous sommes donné des ambitions et nous rêvons grand. Et les défis sont énormes et les rêves sont en lien avec les défis, comment surmonter les défis. Et vous conviendrez avec moi qu'une seule école doctorale, c'est un peu lourd et pas forcément compréhensible. Donc le plus grand défi, c'est de voir comment réellement aller vers des écoles doctorales plus thématiques. Plus thématiques, d'abord à l'image de l'Université de Lomé, où nous avons 3 écoles doctorales. Ici, vous voyez, nous avons une seule école doctorale avec tous les défis qui convergent. Donc le rêve immédiat, c'est quand même de migrer, d'aller vers des écoles doctorales plus thématiques et même aller au-delà de 3 écoles doctorales, avoir des écoles doctorales par spécialité comme le CAMES, le structure par CTS du CAMES. C'est la finalité en termes de structuration des écoles doctorales que nous visons. Mais les grands défis, c'est des défis de spécialistes. Nous n'avons pas tous les spécialistes sur place pour encadrer toutes les thèses, ce qui fait qu'un bon nombre de travaux de recherche sont externalisés grâce au réseau de partenaires de l'Université de Kara que ces formations ont lieu, principalement les formations en sciences, technologies et ingénierie. Et nous avons un défi de laboratoire et c'est grâce au partenariat, alors qu'aujourd'hui, les domaines en lien avec les sciences, technologies et ingénierie sont pratiquement au centre des métiers prioritaires. Et la plupart, pour ne pas dire 98% des docteurs qui sortent là, sont généralement s'insèrent très facilement. Les derniers qui viennent de soutenir, ça ne fait même pas un mois. Il y a un qui vient de gagner un poste en France et il est en train, l'attestation n'est même pas encore disponible. Il est encore, on est en train de faire les tractations pour qu'il puisse avoir l'attestation du diplôme pour rejoindre son poste en France. Pour vous dire jusqu'à où les formations en sciences techniques sont importantes, mais les défis sont énormes parce que dans ces domaines, nous n'avons pas de laboratoire, mais nous faisons notre mieux en utilisant le réseau de partenariat. Aux étudiants qui aimeraient faire la thèse au sein de l'Université de Kara, la première attente, c'est que ces étudiants, ces doctorants soient disponibles à 100%, soient disponibles pour mener leurs recherches, soient disponibles pour suivre les formations complémentaires que dispense le corps doctoral. Parce qu'à l'intérieur de le corps doctoral, quand on est en thèse, on n'est pas patron de soi, on est toujours étudiant. Il y a des formes, il y a des séminaires, c'est les cours au fait. Entre grippes, c'est des séminaires qui sont dispensés aux doctorants pour renforcer davantage leur capacité. Ailleurs, sous d'autres sujets, c'est le PhD qui se fait, il y a des cours fondamentalement. Ici aussi, nous avons des séminaires, nous l'appelons des séminaires. Et les doctorants, souvent, c'est un grand défi parce qu'ils se voient grands de venir s'asseoir encore pour recevoir des cours. Ils ne sont pas toujours disponibles. Nous attendons c'est qu'ils soient vraiment disponibles et qu'ils se consacrent à la recherche parce que aussi souvent, puisque à cet âge, ils sont relativement un peu laissés par les parents, ils cherchent des activités pour être relativement autonomes. Et ceci les détourne un peu de leur activité de recherche. Et donc, s'ils peuvent véritablement se disponibiliser, je pense qu'avec le minimum que nous avons, nous les accompagnons à avoir de très bonnes thèses de qualité, des thèses qui sont acceptées au niveau international. Le deuxième collaborateur du président de l'Université de Kara, eh bien, c'est une femme. Et donc, vous comprenez que nous voulons parler du genre ou de la place du genre dans la gouvernance et la qualité de la formation. C'est une femme à qui le président de l'Université a fait confiance au cours des 20 ans pour présider le comité d'organisation. Eh bien, elle est lieutenant-colonel, mais médecin. Elle est docteur.
lieutenant-colonel, et c'est elle qui est la doyenne de la faculté des sciences de la santé de l'université de Kara. Elle va, dans un premier temps, nous dire le travail qu'elle a fait pendant les 20 ans, la célébration des 20 ans de l'université de Kara. Toute l'organisation était sous sa responsabilité. Pour dire que quand on fait confiance aux femmes, en fait, elles ne déçoivent jamais. Je voudrais dire ma reconnaissance aux autorités universitaires avec à sa tête le président Honoré et le président Charrier qui ont placé leur confiance à ma modeste personne. Et cette célébration a commencé le 25 janvier 2024 par une cérémonie au cours de laquelle un monument en hommage aux pionniers a été dévoilé sur le campus sud. Elle a été ouverte en 2004 pour servir de deuxième pôle de l'enseignement supérieur au Togo. L'université de Kara souffle sa 20e bougie d'existence, un anniversaire qui sera célébré avec plusieurs activités au programme sur une période de 6 mois. En février, journée de la presse et porte ouverte, occasion de montrer d'une manière concrète ce qui se passe à l'université. Ensuite, il y aura la semaine de l'étudiant qui est prévue du 2 au 9 mars 2024. Et en dehors de cela, il y a également la journée des métiers et de l'innovation, qui sera une occasion pour chaque faculté institut de mettre en avant la finalité des offres de formation qui est prodiguée. Et il est prévu également une journée des partenariats pour inviter tous les partenaires déjà existants et les potentiels partenaires pour leur présenter les grands projets de l'université. Et enfin, il y aura la semaine apothéose prévue en juin, juste avant les évaluations. À cette manifestation qui marque le lancement de ce 20e anniversaire, une conférence inaugurale a été animée par le professeur Assoba Guézéré sur le thème « Entre mondialisation, priorité nationale, innovation et excellence, quelle stratégie pour l'université de Kara à l'horizon 2034 ?» Il s'est agi pour le conférencier de rappeler le contexte de création de cette institution, sa mission prioritaire, celle de réduire la facture scientifique. Il s'est agi aussi de réfléchir pour fixer de nouvelles orientations afin de permettre à l'institution de s'intégrer dans le réseau international des universités. Depuis sa création, l'Université de Kara a enregistré 34 000 diplômés. Au fil des années, elle œuvre à la diversification des offres de formation malgré les difficultés rencontrées. 20 ans après son ouverture, l'Université de Kara s'impose aujourd'hui comme un véritable pôle d'enseignement supérieur dans notre pays, avec un accent particulier sur la professionnalisation continue des offres de formation, la digitalisation progressive des apprentissages, grâce au dynamisme de son réseautage qui lui assure son ouverture et son ancrage à l'échelle régionale et mondiale. Faisant le diagnostic des 20 ans d'existence de l'Université de Kara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a relevé la mission assignée aux universités. La mission des universités, elle est triplée. D'abord, c'est la formation. Former aujourd'hui sur les domaines importants, les domaines où on ne joue pas longtemps. Deuxièmement, c'est la recherche. Cette recherche qui finance le PIB d'un pays. Cette recherche qui est en fait le soubassement de la richesse et de l'essence même d'un pays. Et enfin, rendre service à la communauté. À chacun d'entre nous de faire ce diagnostic. À chacun d'entre nous de se demander s'il a suffisamment œuvré dans ces trois secteurs fondamentaux qui conditionnent du moins l'existence d'une université. Voilà ce que je voudrais vous porter comme message, qui est aussi le message de tout le gouvernement, qui est aussi le message du chef de l'État, qui nous exhorte tous les jours à plus de travail, à plus d'ardeur, à plus de sérieux au travail, et enfin, nous aurons les retombées pour notre pays. L'Université de Kara a commencé ses activités avec 32 enseignants. Ces pionniers ont été remerciés par des trophées pour le travail abattu et pour leur sens élevé du devoir. Un monument a aussi été érigé en leur mémoire. Cette cérémonie de lancement des activités du 20e anniversaire de l'Université de Kara a été couplée de la journée du civisme et de la citoyenneté du programme Campus Citoyen, un programme élaboré en 2017 qui a pour objectif d'amener les étudiants à devenir des modèles et à développer des compétences complémentaires, compétences douces ou soft skills, aux compétences dites dures, acquises selon leur profil de formation. Nous avons eu la semaine de l'étudiant qui s'est déroulée du 2 au 9 mars 2024. Pour une fois, elle a été couplée aux journées culturelles avec les universités de Lomé et de Parakou avec la participation
des étudiants de ces universités sœurs. Donc, en plus des activités socio-culturelles habituelles, et de même que les divers matchs qui ont eu lieu, il y a eu cette fois-ci une journée spéciale dédiée aux alumni qui s'est tenue le jeudi 7 mars, lors de cette semaine de l'étudiant. Occasion pour les alumni, les anciens étudiants qui ont percé, après avoir étudié dans diverses facultés de l'Université de Cara, de donner des conseils à leurs cadets sur les opportunités et sur les stratégies utilisées pour atteindre leur position actuelle. Donc ça, vraiment, c'était une innovation. Également, il y a eu un match de football qui s'est déroulé entre les alumni et les étudiants toujours lors de cette semaine. Donc après cette semaine, nous avons eu deux activités phares qui étaient rapprochées. Il s'est agi de la journée porte ouverte et de la presse qui s'est déroulée le 6 mai et de la journée des métiers de l'innovation qui s'est déroulée le 7 mai 2024. Au cours de la journée porte ouverte, l'objectif était effectivement de mieux faire connaître l'université à la population d'une manière globale et en particulier aux futurs étudiants qui sont les élèves, ce qui nous a conduit à accueillir à peu près 400 élèves de la ville de Cara et de ses environs, donc qui ont été accueillis dans l'enceinte de l'Université de Cara. Et après une cérémonie, il y a eu des visites de stand où ils ont pu passer voir les différentes facultés et instituts qui ont fait des expositions par rapport aux offres de formation et aux débouchés. Et donc, la visite ne s'est pas arrêtée seulement au campus sud où ils ont eu à voir les infrastructures de formation et de recherche, mais ils sont venus au campus nord, le deuxième site de notre université. Et dans l'après-midi, puisque c'était une journée porte ouverte où il fallait également communiquer de la presse, donc il y a eu une conférence de presse où le président a adressé un bilan de la situation de notre université. Il y a eu la journée des métiers et de l'innovation. Donc l'idée était, disons que c'était une suite logique de ce qui s'est passé la veille. La veille, on a eu à présenter ce que les offres de formation, les différents aspects de la formation et les infrastructures d'université. Mais quand on finit de se former, quels sont les débouchés? Donc c'est ce qui a motivé à instaurer cette journée au cours de laquelle on a eu à inviter les professionnels. Là, ce n'est plus les diplômés, c'était les professionnels. Et justement, dans l'après-midi de cette journée, donc on a saisi cette occasion pour remettre les attestations de diplôme d'une manière solennelle aux étudiants qui venaient de finir leur cursus. Donc pour l'année académique 2022-2023, pour les filières professionnelles, licence et master, et pour les doctorats également, où on a eu également à remettre les attestations de diplôme aux premiers médecins formés à la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Cara. Donc c'était une manière également de leur souhaiter une bonne carrière, une belle entrée dans leur nouveau métier. Le premier challenge était de voir dans quelle mesure impliquer toute la communauté universitaire dans la réalisation de ces activités, parce que quand on dit l'Université de Cara, il faut voir avant tout les étudiants, donc et le personnel enseignant et administratif, et le personnel d'appui, et bien sûr les institutions qui parrainent. Et donc, en dehors de cet aspect, le second challenge était la mobilisation des fonds, parce que cela nécessitait un budget. Nous avons senti un engouement particulier pour certaines activités, d'accord, certaines activités, notamment des activités socio-culturelles, et également la journée des alumni, le fait que les anciens viennent parler aux cadets, cela leur donne de l'espoir de se rendre compte que à l'Université de Cara, c'est possible de voir des gens qui étudient et qui se retrouvent à des postes de responsabilité. D'ailleurs même, on en a actuellement qui sont enseignants de rang magistral à l'Université de Cara. On a des maîtres de conférences agrégés qui ont commencé leur cursus, qui ont fait leur cursus universitaire à l'Université de Cara. Donc c'est quand même une fierté et cela est un message d'espoir. Et nous espérons qu'au terme de ces activités, nous allons plaidoyer pour maintenir certaines d'entre elles, notamment les partenariats, les alumni, la journée des métiers également, et de temps en temps, faire également un plaidoyer, mobiliser les ressources pour organiser des activités socio-récréatives intégrant toute la communauté universitaire pour une meilleure cohésion. Nous nous sommes intéressés à son parcours scolaire, universitaire et professionnel.
un petit entretien que j'ai eu avec elle, elle nous a dit la série qu'elle a fait quand elle était au lycée, son parcours universitaire et actuellement, elle est la doyenne de la faculté des sciences de l'université de Car. C'est tout cela que vous allez suivre avec notre invité. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Dites-nous votre parcours jusqu'à arriver à ce niveau, notamment qui fait honneur aux femmes togolaises. D'accord. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Donc, dans mes titres, vous pouvez déjà constater que je suis militaire, donc devinez de mon parcours qui a commencé après l'obtention de mon baccalauréat à travers mon entrée. Série D. Série D. Voilà, obtenue au collège Chaminade, donc à travers mon entrée à l'école du service de santé des armées de Lomé et Sal, donc par voie de concours où nous avons eu à suivre la formation militaire et tout en suivant parallèlement les cours de médecine à la faculté mixte de médecine et de pharmacie à l'époque, donc actuellement dénommée FSS Université de Lomé. Et en 2006, j'ai eu à passer le concours d'internat qui est un concours d'excellence. Et là également, j'étais la première fille militaire à passer ce concours également que j'ai réussi. Ce qui m'a permis de commencer plus tôt la spécialisation de rhumatologie que j'ai faite à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Donc j'ai vite fait, j'ai entamé ma spécialisation avant même de soutenir ma thèse de doctorat en 2008. Entre-temps, j'étais passée maître assistant du CAMES en 2015, puis obtenir mon diplôme de professeur agrégé, maître de conférence agrégé au concours d'agrégation 2018 de Libreville où j'étais major de promotion. Et c'est après cela que je me suis intéressée à la vie administrative de l'université où mes collègues m'ont élu au poste de vice-doyenne en 2021, poste que j'occupe jusqu'à présent. Mais en rappel, en mai dernier, il y a eu de nouvelles élections et les collègues ont porté le choix de doyen sur ma modeste personne. Quand les filles et les garçons vous voient comme modèle de réussite, qu'est-ce qu'ils disent en fait? Ils ont envie d'être comme nous. C'est ça. Et nous, justement, nous n'hésitons pas à leur donner des conseils. C'est pour ça. Voilà, pour les encourager au travail d'excellence. Quel que soit le domaine, quelle que soit la tâche qu'on leur donne, il faut qu'ils misent sur l'excellence. Ouais. Voilà, qu'ils fassent un travail ça, bien fait. Voilà. Qu'ils persévèrent surtout, parce que rien n'est facile. Dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Donc, il faut savoir se relever. C'est le travail bien fait, l'abnégation, pour pouvoir réussir. D'accord. Merci. Merci. Voilà. Vous savez que dans une université, les étudiants, les étudiantes ont besoin des services. Et toute université est organisée à travers le CENU. Le CENU, c'est le Centre National des Œuvres Universitaires. Nous avons approché le premier responsable du Centre National des Œuvres Universitaires de l'Université de Kara, qui nous dit la mission du CENU. Dans un premier temps, on va revenir sur une autre question. Le Centre des Œuvres Universitaires de l'Université de Kara est une grande direction de l'université qui s'occupe de l'animation de la vie universitaire dans son ensemble, c'est-à-dire l'accueil et l'hébergement des étudiants à l'Université de Kara, la pratique des activités sportives et culturelles à l'Université de Kara, la prise en charge sanitaire des étudiants à l'Université de Kara, mais également la restauration des étudiants et du personnel enseignant et administratif à l'Université de Kara. L'Université de Kara est en construction. Nous avons 20 ans. Et qu'au niveau des prestations qu'on propose aux étudiants, nous ne sommes pas encore à un niveau optimal, que ce soit au niveau de l'accueil et de l'hébergement des étudiants, parce que nous n'avons pas encore suffisamment de cités universitaires pour héberger tous les étudiants. Il faut dire également qu'au niveau de la restauration, le restaurant universitaire a été fermé, donc c'est un espace
de restauration libre qui a été proposée aux étudiants provisoirement pour permettre aux étudiants de se restaurer sur le campus universitaire. Au niveau de la pratique des activités sportives, nous n'avons pas encore des installations sportives dignes de ce nom. Donc vous voyez que globalement, au niveau des étudiants, il y a quand même une certaine idée de vouloir avoir tout ceci dans des normes qui soient des standards internationaux, mais les autorités universitaires et nationales travaillent dans ce sens puisque le campus nord est en construction et on nous promet de mettre en place toutes ces infrastructures qui vont permettre aux étudiants de vivre à l'aise sur le campus universitaire de Kara. En dehors donc de cette mission, on voudrait bien savoir les défis qui trouvent progressivement leur réponse. On va revenir au directeur du CNU de l'Université de Kara. Dans un campus universitaire, il y a ce qu'on appelle la vie universitaire. Le campus universitaire doit être un lieu de vie où les étudiants doivent être placés dans des conditions qui leur permettent de s'accomplir au niveau pédagogique, académique et scientifique, mais également au niveau culturel, sportif et au niveau personnel même, de pouvoir s'accomplir en tant qu'être humain. Donc toutes les infrastructures qui sont proposées, toutes les mesures qui sont prises par les autorités universitaires et les autorités gouvernementales vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des étudiants sur le campus de l'Université de Kara. Nos attentes, c'est toujours compter sur leur disponibilité, leur patience. Un des projets innovants au niveau de l'Université de Kara, c'est le projet Campus Citoyen. Et moi particulièrement, ce projet m'a vraiment intéressé au vu de ce que j'ai entendu. Parce que quand vous formez des citoyens, vous formez des universitaires, eh bien, ils doivent être capables de se prendre en charge. Mais s'ils n'ont pas reçu les renforcements de capacités, les outils d'initiation, par exemple, d'une activité, eh bien, il leur sera difficile. Heureusement, l'Université de Kara a pris toutes ces dispositions à travers Campus Citoyen où on renforce les capacités des étudiants et des étudiantes sur comment préparer un CV, comment monter un mini-projet. En tout cas, c'est ce que nous allons entendre du premier responsable de Campus Citoyen. Le programme Campus Citoyen a été mis en place par arrêté du président le 8 février 2017. Et c'est un programme qui travaille à un double niveau, à l'interne avec les étudiants pour leur donner des compétences douces, des savoir-faire qui ne sont pas forcément acquis dans les amphis et les agora, mais dont on a besoin à la sortie, à la fin du parcours, de techniques de recherche d'emploi, de rédaction de CV, comment a réussi un entretien d'embauche, ainsi de suite. En externe, le programme depuis 2018 organise les communautés à la base en groupement de crédit communautaire. C'est des personnes qui se réunissent, qui font des épargnes hebdomadaires et qui s'accordent des crédits sur un cycle de 52 semaines. Grâce au programme Campus Citoyen, l'Université de Kara a créé plus de 200 groupements communautaires d'épargne et de crédit pour favoriser ainsi l'inclusion financière et aider les populations des trois régions septentrionales du pays à sortir de la précarité. J'avais des difficultés dans mon entreprise, puisque à tout moment il y avait certaines pannes qu'il fallait corriger, mais il n'y avait pas la liquidité instantanément pour pouvoir régler ou pallier à ce problème. Mais quand j'ai mis pied, quand j'ai intégré le groupement, j'ai su qu'il y a un changement. Et on avait commencé par 300 francs par jour. C'est après ça, quand j'ai fini, j'ai eu l'idée d'acheter une dynamo. J'ai acheté la dynamo. Pour acheter la deuxième dynamo, je peux dire que c'est l'argent du groupement qui m'a permis d'acheter la deuxième dynamo. Quand on a démarré la nouvelle année, j'ai fait un prêt de 130 000. On m'a revenu la dynamo. Et ça fait que j'ai deux dynamos dans mon moulin. L'Université de Kara continue de prendre ses marques. Sous la houlette du président Koko Tchakye, elle ambitionne de devenir à l'horizon 2034 une référence parmi les universités africaines. Elle entend particulièrement accorder une attention soutenue aux métiers prioritaires identifiés par le gouvernement et améliorer la qualité des enseignements, des infrastructures, des conditions de travail du personnel et du cadre de vie des étudiants. Donc c'est un système flexible
qui permet donc aux différents bénéficiaires d'initier, de consolider et d'accroître les activités génératrices de revenus. Donc au sein de ce groupement, nous faisons de l'éducation à l'intelligence financière et de l'éducation civique et citoyenne. Pour être en lien avec la vision du chef de l'État qui est de renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et de garantir la paix. Donc l'Université de Kara se sent interpellée par cette vision et joue sa partition, surtout en rime avec sa mission de service à la communauté. Et de 2018 à 2024, surtout je voudrais parler un tout petit peu des chiffres, au 31 décembre 2023, lorsque nous avons fait le bilan, pour les 215 groupements que nous avons mis en place. C'est vrai qu'au départ, on a commencé avec 4 groupements pilotes dans les cantons de Pia, Chichao, Sumdina et Awendjelo. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à 215 groupements avec un effectif de 7018 personnes. L'année dernière, au 31 décembre, au bilan, nous avons mobilisé, en termes d'épargne, avec tous ces effectifs, mobilisé 497 800 025 francs CFA. Et 275 millions ont été accordés en crédit, ce qui montre le besoin ou en tout cas l'utilité d'une telle activité. En termes de couverture de zones, c'est vrai que nous avons commencé dans la préfecture de la Kosa majoritairement et le projet s'est étendu dans la préfecture de Doufelgou, notamment dans le canton de Siou. À Blita, nous sommes à Blita Gar, Wele, Aouda, Sotouba, à Djarkwanga, Tindjasi qui est en exploration, à Kanter, Barkwasi et à Dapan. Voilà la couverture. Maintenant, quand nous faisons le cumul des épargnes de 2018 à 2024, nous tournons autour de 1 500 384 000 francs CFA. Et presque la moitié ont été accordés en crédit. Donc de plus en plus des témoignages et l'impact socio-économique qui se fait ressentir sur les communautés, nous sommes de plus en plus interpellés de par en tout cas la zone de couverture de l'Université de Kara qui est de Blita à Saint-Cassé pour continuer ce travail où l'Université déploie les savoirs et en tout cas le savoir-faire en termes d'appui aux communautés et pour remplir sa mission de service à la communauté et apporter sa partition dans la réalisation de la vision du chef de l'État. Toute institution a besoin de partenariats pour résoudre ou relever certains défis. Au niveau de l'Université de Kara, nous avons approché le responsable de partenariat qui va nous dire les enjeux, l'intérêt pour l'Université de Kara et les partenariats que l'Université de Kara a pu nouer depuis là jusqu'à aujourd'hui. Un des aspects de la direction que j'ai le plaisir de diriger à l'Université de Kara, c'est le partenariat. Mais l'autre aspect, c'est la recherche. Et donc la direction elle-même s'appelle Direction de la recherche, de la coopération et des partenariats. Et donc la recherche, c'est celle qui permet aux chercheurs ou aux enseignants-chercheurs de rester dans une certaine dynamique de quête de savoir ou de mieux savoir, mais en restant dans une dynamique qui permette aussi de contribuer à l'innovation scientifique et technologique qui doit être le levier du développement de notre pays. Maintenant, le côté partenariat, c'est un côté qui est un peu plus ouvert que le côté recherche. Il y a des partenariats sur des questions de recherche aussi. Mais il y a des partenariats qui contribuent à établir des cadres de collaboration sur des aspects culturels, des aspects sportifs, sur la vie estudiantine, sur aussi, disons, le développement durable en général. Nous avons un partenariat assez fonctionnel, assez dynamique avec l'Université de Granada en Espagne qui, depuis un certain nombre d'années, nous permet d'envoyer des étudiants en doctorat en Espagne pour, disons, une expérience de recherche dans les laboratoires et dans les écoles en Espagne. Mais ce partenariat permet aussi au personnel administratif, technique et de service de l'Université de Kara ainsi qu'aux enseignants-chercheurs d'effectuer des voyages d'études ou des voyages d'expérience aussi en Espagne et dans cette université également.
Une autre forme de partenariat, c'est avec un autre partenaire espagnol, qui est la Fondation Baobab, et qui offre des bourses d'études aux étudiants sur place à l'Université de Cara. Donc, pour le moment, cette bourse est octroyée à des étudiants en niveau licence depuis le semestre 1 jusqu'au semestre 6 et en niveau master. C'est promis et c'est prévu qu'à partir de la rentrée qui vient à venir, donc cette bourse soit étendue aux étudiants du niveau doctorat également. Nous avons un autre partenariat également avec des universités allemandes où les étudiants de l'Institut des métiers de l'agriculture, ISMA, vont faire des séjours d'un mois ou plus pour essayer de s'acclimater, essayer de s'imprégner aussi de ce qu'il se fait là-bas. Et sur des questions de business agricole, sur des questions aussi de recherche du domaine de l'agriculture, entre autres. Et d'autres formes de partenariat, c'est par exemple ce que nous avons eu tout récemment avec la représentation résidente de la Banque mondiale au Togo, qui a permis que cette représentation donne à l'Université de Cara donc un lot de matériel informatique et même de communication ou de transmission médiatique aussi, donc un grand lot. Et il y a de ces formes de partenariat et les partenaires ils sont nombreux justement. Donc on peut les structurer en deux ou trois, les partenariats interuniversitaires, les partenariats avec le monde socio-économique, mais les partenariats avec le monde diplomatique aussi. Les défis majeurs, c'est qu'on ait une sorte de feuille de route, qu'on sache quel partenariat est utile et lequel ne l'est pas. Parce que les partenaires qui demandent à collaborer avec l'Université de Cara, il y en a beaucoup. Mais parfois, la question se pose de savoir à quelle fin, pour quelle utilité. Alors, il y a des partenaires qui cherchent le partenariat juste pour l'utiliser à des fins qui puissent être les leurs. Mais pour l'Université de Cara, la vision du président, c'est que tout partenariat puisse d'abord profiter à l'université, qu'elle rapporte quelque chose en termes d'infrastructure, en termes de développement durable, en termes aussi d'apport au niveau académique et au niveau intellectuel, pour les étudiants, pour les enseignants et pour les autres. Donc, il y a tout ça. Mais l'Université de Cara peut établir des partenariats qui lui permettent de participer directement au service à la communauté, au développement du pays aussi. Donc, avec les institutions de l'État, avec certains ministères, avec certaines structures qui existent dans notre pays, nous établissons des partenariats qui permettent que ce qui se fait à l'université puisse être connu du monde extra-universitaire et puisse même être utile à ce monde-là, justement. Parce que l'université, comme un mythe, on a dépassé ça à l'Université de Cara. On veut que l'université soit ce cadre-là de savoir, de construction du savoir, mais d'un savoir utile qui puisse être utilisable directement par la société à laquelle on appartient. C'est sur ces interventions des collaborateurs directs du président de l'Université de Cara que nous allons boucler la rubrique débat thématique. Dans Actu Éducation, nous allons parler de l'actualité sur l'éducation dans notre pays et dans le monde éventuellement. Au niveau national, nous savons que les questions d'orientation scolaire et professionnelle sont des questions toujours d'actualité dans le système éducatif togolais. Le gouvernement a fait l'effort depuis 2 ans de recruter et d'affecter des spécialistes d'orientation affectés dans les directions régionales de l'éducation, les DRE. Voilà, il y en a dans la direction régionale de l'éducation de Lomé-Golfe, Plateau Est, Plateau Ouest, Central, Cara, Savane. Et nous avons approché certains d'entre eux pour voir le travail qu'ils sont en train de faire avec les élèves pour leur apporter les informations dont ils ont besoin pour construire leur projet scolaire et leur projet professionnel. Nous avons travaillé avec les élèves. Leur réelle motivation aujourd'hui, c'est parce que ça les conseils, les accompagnements, ça leur permet d'être assidus en classe, de bien travailler dans les matières, de faire les exercices
qu'on leur donne en classe, de travailler également à la maison dans toutes les matières, parce qu'il y a des élèves qui travaillent uniquement que dans les matières scientifiques, ils négligent les matières littéraires. Donc on les encourage de travailler. Donc aujourd'hui, c'est leur motivation de travailler dans toutes les matières, d'être assidus, d'être respectueux, d'aimer le travail, d'aimer l'excellence au travail aussi. Nos interventions leur sont bénéfiques aujourd'hui parce que les informations qu'on leur donne leur aident beaucoup à bien s'orienter, à bien choisir les séries après le BPC, à bien choisir leur filière après le bac également. On donne des informations à l'élève, donc c'est à lui de faire le choix. Nous leur donnons l'opportunité de présenter leur motivation et puis leur préoccupation par rapport à leur choix. Ce que ces élèves nous confient, c'est qu'en eux d'abord, il y a la peur de choisir. Ils se demandent quel choix ils peuvent faire pour véritablement avoir accès plus tard à un bon emploi, un emploi décent, pour pouvoir aisément s'insérer sur le marché de l'emploi. Selon eux, quel choix judicieux ils peuvent faire. Donc souvent, c'est la grande préoccupation des élèves. Maintenant, nous, par rapport à nos interventions, nous leur amenons d'abord à rechercher beaucoup plus l'excellence. Parce que de nos jours, c'est difficile. L'élève, quand on prend par exemple l'élève moyen, c'est difficile pour cet élève-là d'accéder à certaines formations. Parce qu'il y a plusieurs critères de formation. Je donne juste un exemple. Un élève qui se dit motivé peut-être pour faire la médecine, par exemple, il y a certains critères qu'au département de médecine, on recherche. Donc, on les amène par rapport à ce qu'ils nous exposent, à savoir, voilà les critères qu'il y a et voilà comment est-ce que vous devez vous y prendre pour avoir la chance, peut-être, de réaliser votre rêve. Après chaque intervention, nous laissons nos contacts à l'endroit de ces élèves-là pour plus de questions d'éclaircissement, pour un accompagnement s'ils le désirent, parce qu'on n'oblige pas les élèves à se faire obligatoirement accompagner. Vu le nombre de messages que nous recevons, vu le nombre de coups de fil que nous recevons de la part de ces élèves, cela suppose que réellement le message est en train de passer. Nous sommes très sollicités, surtout par les élèves qui ont obtenu leur BPC. Ils cherchent à savoir quelle série faire. Donc nous les recevons en entretien individuel. Là, c'est beaucoup plus l'accompagnement. Il y a également ceux qui vont avoir le baccalauréat. Ils viendront vers nous pour voir quelles sont les offres de formation que les universités offrent au cours de cette année. Donc, puisque chaque année, il y a des nouveautés au niveau des universités. Donc, ils viennent pour voir cette année qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est proposé. Maintenant, quelles sont les conditions d'accès et autres. Donc, nous échangeons avec eux. Une organisation de jeunes appelée Youth for Youth a rencontré un groupe de jeunes dans la région centrale pour partager avec eux des informations sur l'entrepreneuriat, l'intelligence artificielle, l'extrémisme violent, en tout cas toutes les problématiques dont les jeunes ont besoin de savoir, de connaître pour que effectivement leur formation soit complète. Du coup, aujourd'hui, Forêt Citoyen de la Jeunesse a organisé une sensibilisation sur les valeurs, le civisme et le patriotisme, l'orientation scolaire et professionnelle, l'hygiène, l'entrepreneuriat, etc. et bien d'autres thèmes. Moi, j'étais élève, mais je ne savais pas quoi vraiment me lancer après mon bac. Et je retiens de ceci que, et après mon bac, je veux me lancer dans la médecine, c'est-à-dire dans les facultés de la science, pour pouvoir atteindre mon rêve, qui est de devenir chirurgien. Nous sommes à la troisième édition. Après celle de Kpalimé et de Lomé, aujourd'hui nous sommes à Sokodé pour les forats citoyens de la jeunesse. Il s'agit d'abord de renforcer les capacités donc de nos jeunes frères sur un certain nombre de thématiques, et notamment donc l'orientation scolaire et professionnelle,
et les valeurs civiques, les valeurs citoyennes et patriotiques, et aussi tout ce qui est valeurs donc de leadership. Il y a eu plus de 350 participants pour une cible initiale de 200. En termes de perspective pour l'initiative, comme vous l'aviez vu, nous sommes à Sokodé, donc la perspective c'est de pouvoir donc couvrir donc les prochaines régions. Nous avons toujours notre gratitude aux autorités donc du pays pour toutes les initiatives. Elle a pu sans cesse renouveler et apporter donc aux initiatives de la jeunesse. Le gouvernement togolais dispose d'un document d'orientation en matière d'éducation qu'on appelle plan sectoriel de l'éducation avec les axes accès, qualité, gouvernance, pilotage, inclusion, équité de genre. Et le gouvernement n'ayant pas les moyens de mettre en œuvre à 100% le contenu de ce document, eh bien, sollicite les partenaires pour l'accompagner. Un des partenaires qui accompagne l'État, c'est bien Plan International Togo, qui a initié depuis 5 ans un projet intitulé « Renforcement de la société civile pour la lutte contre les violences de genre ». Et ce projet est presque à terme et une étude évaluative a été faite récemment. Nous allons suivre certains participants à la validation sur l'étude finale du projet. La mise en œuvre de ce projet a redonné confiance à nos apprenants, à nos enfants, qui font confiance au secteur de l'éducation, ce qui fait que, à partir du moment où les établissements deviennent vraiment des havres de paix pour mener les apprentissages, ça donne davantage de confiance aux parents d'amener leurs enfants à l'école. Et ça permet également la rétention. Les enfants ne désertent pas les établissements au regard de la réduction de la violence en milieu scolaire. Maintenant, si je prends le volet qualité, il y a la mise en œuvre des méthodes alternatives de la violence qui font partie dans la stratégie de mise en œuvre des méthodes actives qui impliquent vraiment les apprenants, ce qui fait que ça renforce davantage les apprentissages. L'enfant apprenant dans un établissement sans violence, il y a la confiance qui s'instaure et venant à l'école, quand il reçoit des enseignements, il a plus de confiance, plus de motivation à apprendre, hein, ce qui n'était pas le cas au moment où la violence sévit dans nos établissements. Le rapport d'évaluation du bureau qui a été commis a été très clair, avec des statistiques bien précises. Et je crois que le minimum ratio atteint par un résultat était 75%. Et j'avoue que les autres, pour ne pas exagérer, sont à 100%. Et pour un projet de 5 ans et pour autant de résultats, je crois que pour moi, tout est mention honorable. Et néanmoins, nous venons de parler du fait qu'il y a eu des défis sur le terrain, il y a eu des contraintes aussi que le projet a connues. Donc, tous ces défis restent sur la table et il va falloir, au-delà de ces résultats atteints, il va falloir continuer par mettre en synergie nos efforts pour nous assurer que l'action continue permettra non seulement de garantir les résultats atteints, mais aussi de pouvoir faire spécifiquement face aux défis qu'on a connus. Et le plan d'action issu de cet atelier et les recommandations faites permettront justement d'aller dans l'aplanissement de ces défis qui sont restés non atteints tout au long du projet. Quand vous avez vu la présentation, pratiquement les 4 résultats ont atteint un taux de réalisation de 80% et en termes d'impact, l'impact tourne autour de 70%. Donc on pourra dire que tous ces 4 grands résultats ont atteint leur objectif. Quand on prend par exemple le premier résultat, il était question de travailler avec les acteurs de l'éducation pour que le cadre d'apprentissage puisse être convivial. Aujourd'hui, dans tous les établissements où nous avons intervenu, quand on a interrogé les enfants ont trouvé que vraiment il y a une réduction drastique des violences qui étaient souvent perpétrées à leur endroit. Quand je veux parler des violences physiques, des violences sexuelles et
des violences psychologiques. Donc vraiment à ce niveau, je pense que les acteurs de l'éducation vraiment nous ont appuyés à ce que cela puisse être une réalité aujourd'hui dans leurs activités quotidiennes et dans leurs pratiques pédagogiques. Quand je prends le deuxième résultat qui est en lien avec le renforcement des enfants pour qu'ils puissent être d'abord les acteurs de leur propre protection et qu'ils puissent dénoncer les cas d'abus, vous avez vu que pratiquement plusieurs cas ont été dénoncés par les enfants eux-mêmes et ils ont pu conduire des actions de sensibilisation et ils ont pu renforcer leur estime de soi, leur leadership et aujourd'hui ils sont capables de pouvoir dénoncer un cas d'abus qui se passe sur eux-mêmes ou bien sur un de leurs amis ou bien sur un de leurs pères. Les cibles principales, c'est bien les élèves filles comme garçons dans les collèges et lycées des régions centrales et plateaux. Durant 5 ans, on a renforcé la capacité des enseignants, on a renforcé la capacité des enfants et jeunes, on a renforcé la capacité même des apprentis dans les centres d'apprentissage, donc les extrascolaires, je veux dire. Et donc, nous avons interviewé certains d'entre eux qui vont témoigner eux-mêmes de ce que le projet a contribué à transformer leur paradigme, a contribué à améliorer le climat social qui doit exister entre eux, les élèves et leurs enseignants, entre les apprentis et les patrons et patrons d'atelier, et entre eux, les jeunes, entre eux, eux-mêmes, par rapport aux questions de violence. Avant, les filles, là, la grossesse, c'est beaucoup. Toutes les filles, chaque année, c'est la grossesse. Mais comme ce projet a été mis en place avec les sensibilisations, on a constaté que ça a été réduit. Pour que les filles puissent aller loin, nous devons les aider, surtout sur le plan scolaire, on doit les aider à apprendre leurs leçons, les aider et en les expliquant ce qu'elles ne comprennent pas, et les accompagner et surtout bannir les agressions sexuelles et puis être en union avec les filles, les accompagner sur tous les plans. Le phénomène des professeurs qui enseignent les élèves a diminué. D'année en année, sensibilisation sur sensibilisation. Aujourd'hui, on peut dire même qu'elle a disparu au lycée. Avec les sensibilisations, on nous rassemble par moment dans l'établissement. On nous sensibilise sur les violences à caractère sexuel, sur les grossesses, comment faire pour éviter les grossesses précoces en milieu scolaire. Comment promouvoir l'égalité des sexes et comment les filles doivent persévérer et exceller dans leurs études à l'école. La sensibilisation qu'on est venu nous faire est une sensibilisation pour la jeune fille à la renforcer, à ne pas écouter tout ce que les garçons racontent, qu'elle aille de l'avant dans son travail à l'école et pour qu'elle puisse réaliser ses rêves. Et dans l'avenir, moi j'aimerais devenir réalisatrice et cinéaste et faire une formation en technologie. J'entends par jeune fille quelqu'une qui se valorise, qui s'identifie positivement. Le rôle de la jeune fille vraiment doit se montrer, doit se valoriser, doit s'identifier par le travail. Je précise, c'est par le travail que la jeune fille peut se valoriser et ne pas se donner vraiment aux jeunes garçons. Parce que l'avenir de cette dernière peut être gâchée. La fille est un modèle de la société. Avant, on nous disait que une fille à l'école n'aboutira à rien. Aujourd'hui, par cette sensibilisation et par les réseaux sociaux, nous comprenons que vraiment la jeune fille doit être valorisée. Nous avons eu à discuter et à échanger sur le concept comme ce que c'est que le milieu scolaire, l'enfant, ce qu'on entend par un apprenant. Au cours de cette formation également, nous avons recherché les différentes violences qui existent. Et parlant de ces violences, on a fait cas des violences physiques, avec l'exemple des bâtons que les gens utilisent pour frapper les enfants. Et en dehors de ces violences physiques, nous avons également parlé des violences sexuelles. Il y a par exemple le joug que les gens exercent sur
les apprenants. En dehors de ces deux aspects, nous avons également parlé des violences économiques. Il y a certaines femmes qui utilisent des élèves à des fins personnelles. Nous avons également parlé des différentes institutions référentielles, c'est-à-dire que lorsqu'il y a violence sur un enfant ou bien lorsque quelqu'un exerce une violence sur un enfant, les institutions qui peuvent s'occuper de cet enfant. Et parlant de ces institutions, nous avons cité par exemple les affaires sociales. Donc lorsqu'il y a violence et on veut dénoncer un cas, on peut se référer aux affaires sociales, on peut appeler à l'eau 10-11, on peut également recourir à la gendarmerie et au service de la gendarmerie ou de la police. Nous avons eu beaucoup de formations avec cette ONG et j'avoue que nos enfants qui étaient avec nous ici depuis que nous sommes arrivés dans cet établissement, nous avons constaté qu'il y a eu un réel changement. Et lorsque vous prenez ces enfants qui nous sont donnés pour être éduqués, eh bien, vous allez voir que beaucoup arrivent avec certains comportements, certaines conceptions. Et avec l'ONG FAWE, nous avons travaillé et aujourd'hui, nous pouvons dire que la violence qui était faite aux enfants, particulièrement les filles, eh bien, nous constatons que ça a changé, ça a abouti à quelque chose. Cette formation que les enseignants ont eue, donc ils ont essayé de mettre ça en pratique dans l'établissement, si bien que à chaque moment, on rappelle cela, donc aux élèves, aux enseignants, etc., etc. Donc pour que nous puissions être donc dans une société où il n'y aura plus de bâtons, il n'y aura plus de violences, les violences de toute nature, que ce soit les violences sexuelles, les violences corporelles, les violences morales, etc. La nation togolaise a besoin de vous pour sa construction. Mais si vous vous laissez prendre par les petits trucs, vous allez tomber enceinte et abandonner les études, n'est-ce pas? Donc il faudra que vous vous donnez à vos cahiers. Respectez vos enseignants, parce que c'est eux qui vous donnent le savoir à l'école. Respectez vos parents et ne pas se précipiter sur des choses que vous ne maîtrisez pas. Et comme nous l'avons dit, les plus beaux garçons ou bien les garçons les plus riches, c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans. Mais si vous laissez prendre par 1 000 francs ou bien 1 500, on vous drague et on vous enseigne. Vous faites quoi? Vous êtes en train de perdre votre vie, n'est-ce pas? Donc il faudrait vraiment vous donner au cahier. Nous ouvrons à présent la rubrique Agenda Éducation. Dans Agenda Éducation, nous retenons que à la rentrée scolaire 2024-2025, l'anglais sera introduit au préscolaire, donc au jardin d'enfants. Et c'est à la faveur de l'adhésion du Togo au Commonwealth, où le ministère de l'enseignement primaire secondaire a nommé un point focal qui est en train de travailler avec des collaborateurs pour produire des documents qui vont servir à commencer l'enseignement de l'anglais au préscolaire. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine où le point focal viendra nous faire le point. La rentrée scolaire 2024-2025 avance à grands pas. C'est le 16 septembre prochain et les parents, les élèves se préparent pour une bonne rentrée scolaire, surtout que au vu des résultats que nous avons suivis, ces résultats ne sont pas roses cette année, mais il y a le ministère qui nous avait envoyé le doyen de l'inspection générale de l'éducation, l'inspecteur Nouansan, qui est venu expliquer les raisons scientifiques qui ont justifié ces faibles résultats. En réalité, ces résultats ne sont pas faibles, mais c'est que c'est des vrais résultats. C'est des vrais résultats et le défi est au niveau des parents, le défi est au niveau des élèves qui doivent impérativement égarer leur portable qui leur perdent inutilement du temps et les activités extrascolaires qui leur perdent du temps pour se consacrer aux études. C'est à ce prix, dans un travail de collaboration, dans un travail de complémentarité avec les enseignants, les parents et les acteurs de médias que le défi pourra être relevé et nous comptons sur les élèves pour comprendre le message du gouvernement
qui leur demande de s'appliquer, rien que ça, de travailler, rien que travailler et laisser tout ce qui leur perd inutilement du temps. C'est sur ce mot que je clôture l'émission Débat éducation de ce jour et je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain pour parler de l'introduction de l'anglais au préscolaire à la rentrée 2024-2025. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye.